Alors la première des best practices pour maximiser l'expérience utilisateur sur du mobile, c'est de se poser les questions de son usage, de l'usage utilisateur, qu'est-ce qu'il attend de son application, comment il veut l'utiliser, où est-ce qu'il va l'utiliser, et qu'est-ce qu'il connaît des applications concurrentes dans ce domaine-là. Les utilisateurs ont une tendance à avoir un aspect très, très exigeant par rapport aux applications qu'ils utilisent, donc il va falloir avoir le niveau de qualité minimum attendu par les utilisateurs. Ça va être le premier sujet, c'est toujours se poser la question du contexte. Le deuxième sujet pour maximiser l'expérience utilisateur, ça va être de se réfréner sur l'envie de vouloir absolument l'engager par de la newsletter, par de la pop-up, etc., de la modale. Parce que les utilisateurs sont de plus en plus réfractaires à ça. Ils ont envie qu'on leur fiche un peu la paix sur une application et qu'ils puissent s'en servir de la manière la plus fluide possible. Donc maximiser l'expérience utilisateur aussi aujourd'hui, c'est se mettre dans ses chaussures et se dire qu'il n'a pas forcément envie d'être en permanence sollicité. Et enfin, maximiser l'expérience utilisateur, c'est aussi d'un point de vue technologique, c'est comment on choisit le bon support technologique à lui proposer. Est-ce que c'est une cible qui va avoir des appareils plutôt avancés ou pas? Quel est le niveau de diffusion de matériel auprès de cette cible-là? Ça va vraiment être des sujets très importants à décider. Donc en conclusion, je dirais que les trois sujets qui vont vraiment maximiser l'expérience utilisateur, c'est avant tout se poser la question de qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il attend de faire. Ensuite, comment je vais monétiser mon application en respectant un peu la vie privée de mon utilisateur. Et enfin, quelle stratégie technologique je vais choisir par rapport au contexte technologique de l'utilisateur.